Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Sumochika. Du coup, on va dans cet épisode, on va passer le portail. Par contre, sur le chemin, j'ai pas exploré, mais je me suis remarqué un truc, j'ai retrouvé ça. C'est sac gélatineux. Or, ça donne de la nourriture, mais ça m'a donné un schéma. L'aréogène. Oh putain, ça y est. Bon, on a l'aréogène. C'est, comment dire, on va pouvoir faire le prône. C'est déjà ça. Par contre, je me remarque que c'est pas très fluide. Quand je cours, ouais. Ouais, c'est une jaune énorme à charger. Donc, Du coup, on va pas se perdre cette fois-ci. Je garde mon couteau. Parce que, hein, les crabes. Je vous jure, je vais les défoncer, les crabes, ce jeu. Enfin. Enfin. Là, je crois que c'était quelque chose à récupérer. Après, je viendrai aussi dans cette grotte en off. On voit rien. Merci pour la lumière. Qu'est-ce que j'allais dire? En off pour récupérer tous les ressources qu'il y a ici. Mais il me faut un truc pour stocker. C'est pas très fiable, on va dire. Donc, hop. Hop. Lichum. Bon, ok, c'est pas comme on en avait. Il n'y en a pas d'autres là. Le crabe, il est toujours mort, je sais plus où il est. Bref. C'est parti. On passe la porte des étoiles. Où? Oui. Du coup, on est combien du Simon? À 2000 mètres. Waouh. Ah, par contre, on est pas très loin du laser. Waouh. 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 On est très très loin de la base. Et j'entends la mer. Donc, on est sur une île. Waouh. C'était quoi ce bug? C'est quoi ça? Échantillon. Ok. Bon, on prend quand même. Y a pas une sortie. On va scanner. On va scanner. Ah, si, y a une sortie. J'aime bien comment les trucs ont du mal à charger. Alors, je sais que vous voyez pas, mais comme ça, on sort plus vite. Gauche ou droite? Ah! Ouais, droite. Ok. Là, il y a le téléporteur. Enfin, la porte des étoiles. Et là, on se retrouve au cul de l'Aurora. Ouah, à quelques trucs, il défonce. S'il était descendu plus bas, il défonçait l'île. Ouah. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Ah. C'est-à-dire niveau signe d'énergie. C'est pourtant, ça génère pas d'énergie, ça. Si. Ah. J'ai vu une plante à... Est-ce que c'est ça? Ouais. Attendez. Il y a quelque chose là-haut. Je l'ai entrevu, mais je me suis dit, ouais, ça, je crois que c'est des... Ah, c'est pas... Ah, d'accord. Bon, ben, on va monter voir. On va monter voir... Ah, il y a aussi là-haut. Ok, bon, on va monter voir les deux. Ouais, allez, Skyrim. Ok. Ok, ok, c'est pas par là. J'ai bien compris. Ah, on peut faire les deux, deux. Ok. Bon, on va commencer par celui-là de combat, du coup. Ouh, il y a plein de trucs intéressants. Hop, casse pas la gueule. Fusil à stase. Je l'ai appris, je sais plus. Non, j'avais pas. Salle multifonction. Me dites pas qu'il y a encore des crabes. Dégage de la sale pute. Merci. Bac à culture extérieure.
Intéressant. Fusil à stase. Voilà, comme ça on a ça aussi. Patate chinoise. Waouh. Ça peut être intéressant. On va en prendre quelques-unes. Les melons. Je vais voir si je le casse, ce que ça fait. Ah putain, je peux pas sauter. D'accord, ça me donne des graines. Ouais, par contre... une patate, ça suffira, je pense. Qu'est-ce que c'est ? Projecteur. Non, mais ce bruit, moi, ça m'inquiète. Hein. Graine d'écureuil, mais enfin. On peut rentrer par où ? Ouh. Un lanternier, ok. Bon, du coup, on peut jeter. On en garde un exemplaire. Et on peut rentrer par... C'est où? J'ai vu que je pouvais encore scanner. Ah, mur végétal. Ah, je scanne, hein, j'en profite. Y'a rien d'autre à scanner. A priori. Non, et c'est pas par là qu'on rentre. Y'a rien. Ok. Y'a rien ici, non? Ah ben un PDR direct. Les naufragés. 5 semaines depuis le crash, les seuls autres survivants sont mon fils. Nanana, d'accord. Nanana, mais le problème... Nanana. Oh, ok. Fusil alien, j'ai même pas vu. Tablette violette et terminal le contrôle de champ de force. Ok. Et je voulais pas baisser le son, merci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pile. On prend. D'accord, en fait, ici, c'est une ancienne base de quelqu'un... La tempête. Je n'ai pas pu, quoi, vous connaissez. Il y a une tempête. Oh putain. Ma père est ici. Ok. En fait, le problème de ce monde, c'est que les plantes, ils mettent beaucoup trop de temps à grandir. Sale pute, viens là. Un mort les crabes. Je vais prendre un coup d'eau, moi. Hop. Ouais, j'ai plus d'eau. Ouais, va falloir faire vite. Va falloir faire vite. Or, par chance, il y a de l'eau dedans. Bah, par chance, alors. Allez. Putain. C'est quoi, fusil à stase? Ça, bon, ça je l'ai appris. Ok. De l'eau. Ah, c'est ce que je voulais. Merci. Ouh. Palmier à fougère. J'adore quand on entend le truc, on dirait qu'il va s'écrouler. On dirait que ça va s'écrouler. Déjà j'en ramassais un pour manger. Ça donne de l'eau. Ah, un PDA. C'est la première fois depuis quelques mois que je vois la lumière de soleil. Après... Ouais, d'accord. Eh bien, il y a toujours le quiz. On est juste à bord. Du coup, on va directement aller à l'autre en face. Aïe. Par contre, c'est bien, c'est que on sait que le vaisseau de base que l'Aurora était venu sauver, c'est les Degasi. Or, du coup, on se retrouve dans le même état que les Degasi. Enfin, que le vaisseau Degasi. C'est bien, hein. Par contre, j'aime pas ces bruits d'écroulement. Je dirais que c'est pas stable. Pardon. Merci. Juste derrière l'Aurora. Hein. Ouais, bah, enlève-moi ça, parce que ça casse les oreilles. Hop. Ok, putain.
Ça peut être intéressant. Plan. Pot à plantes, ok. Ça se mange? Ouais, ça se mange. Ok, il y a un bureau. Un PDA. Cette île est une aubaine. Regardez par la fenêtre. Aucun prédateur, de la nourriture fraîche. Pas de matériaux de construction. Il reste plus rien du vaisseau. Waouh, ils ont fait exploser le vaisseau en fait. Ok. Alors, l'Aurora est là. Et le vaisseau. Le Simote est. Oh putain, ils sont là-bas. Y a pas un endroit où je peux directement sauter dans l'eau. Ah non, faut que je retrouve l'endroit où. Où il y a le portail. Et je m'en rappelle plus du tout. Et je me demande si c'était pas par là. Je m'en rappelle plus trop. Par contre, il y a un chemin. Wow. Champignon orange. PDA. Ah d'accord. C'est un signal de localisation. Base de dégâts, ok. Bon, on ira voir dans cet épisode. Dans cet épisode, ça sera exploration. Et je regarderai si je peux vous faire le cyclope en même temps. Bon, il est où le portail? J'ai pas envie d'aller la nage jusqu'à là-bas. Putain, je l'ai perdu. Ça. Ça doit pas être très loin. Je sais pas comment ça s'illumine. Non. Non. Où est-ce que ça peut bien être? Putain, je me suis perdu. Bon ben, GG à moi. Aïe. C'est obligé qu'elle soit quelque part. Ah ouais, fait déjà jour. C'est passé vite. Non, l'Aurora l'avait vu de bien plus loin, donc... Ça y est, je suis perdu. Ah ok, ça va être juste là... Juste en dessous, donc... C'est bien ce que je pensais. Là, on doit avoir un trou vers là, donc c'est de l'autre côté. Du coup, on sait que derrière l'Aurora, il y a une île. On pourra y retourner si vraiment on a besoin. Ah, là, voilà. Bonjour. Ah ouais, d'accord. C'est bien foutu, hein. J'ai juste tapé sur le côté, c'est bien très très bien foutu. Bon. On va continuer avec... Hop, je ramasse quelques... Vous savez quoi? On va juste faire une ellipse. Je ramasse ce que j'ai besoin. Et on ira faire le cyclope. Et ensuite aller à une nouvelle base de dégâts. On va voir ça directement. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. J'ai mis le truc automatique alors que... Non, ça s'en fout. On va l'ouvrir. Est-ce que je peux stocker...
On va stocker un. C'est déjà un trou en plus. Ah. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est soit faire le... Je vais pas faire le cyclope. Je vais faire... On va construire un peu une petite base. Hop. Je vais la choisir un peu plus loin. Où est-ce qu'est l'Aurora? L'Aurora est par là. Du coup... Je vais le faire un peu vers là où il y a un peu de place, on va dire. Et je sais, je la fais loin par rapport au... Je vais la faire en bord de map. Enfin, en bord de colline. Du style vers là. Oh, j'avais pas vu ça. Peut-être, on s'en fout. Voilà, là. Tac, 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 tac. Du coup, voyons voir ce qu'on a besoin. On va faire déjà pour commencer. Commencez pas à me faire chier. Salle multifonction. Ok, je suis obligé de la faire là. Alors. Wesh. Ouais, oh. Merci. Faut 6 de titane, on va en chercher. Vous savez quoi, j'ai quand même préparé les trucs. Ensuite, on va rajouter les panneaux solaires en haut. Où est-ce qu'il faut vraiment construire avant de les rajouter? Ouais, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Alors, on va voir si déjà j'ai du titane. Alors, 6 de titane. C'était quoi ça? C'était quoi? Ah, quelque chose écrasé sur l'Aurora. Je sais pas ce que c'est. Mais bon. Au pire, si je vois que c'est vraiment long, je ferai une ellipse, je construirai la base et je vous la montrerai. Là, je vous montre un peu comment on fait un peu. On va faire ça et le cyclope. Je pense qu'on va faire la base dans cet épisode et le cyclope dans le prochain. Du coup, il me faut du titane. Je pense qu'il y en a en haut. Boire un peu d'eau. J'ai pas d'eau. Enfin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ranger. Voilà. Ça. Oh putain, j'ai peur. Faut vraiment que... Okay. La base de dégazi. On y après, une fois qu'on aura fait le cyclope, on ira explorer justement cette base. Là, on sera tranquille. Et faut pas que j'oublie de mettre une balise chez moi. Ah, on le voit, elle est là. J'aime bien, c'est que ça. Je pense que ça garde pour pas très longtemps. Ok. Ok. Ça. Voilà. Et. Ah, je me disais, putain, ça flotte dans le. Ensuite, il faut de les. Il pourrait le plus bien de séparer l'espace de travail de l'oiseau. Pour ça, je me doute. Hein. Attendez, on va en mettre un là. On va en mettre un là. Et un là. Il me faut 2 de quartz, 2 de titane et 1000 cuivres. Comme j'en ai 3, ça fait 6 de quartz et 6 de titane. Allez, on va chercher. Parce qu'il faut absolument de l'énergie pour créer de l'oxygène sur les trucs. Au pire, ce que je fais. Bon, je vous laisse tourner encore peut-être 2-3 minutes. Je fais les panneaux solaires. Et l'écoutille. Et je ferai une ellipse. Tant que je fasse une belle...
une base standard. Quoique, plutôt ellipse. On va faire. Voilà, bon. J'avais dit qu'on allait finir la base, mais avant, j'aurais bien... Il y a ça qui m'intriguait. Donc, on va aller voir tout de suite. Bon, pour info, la base, elle est finie, mais je vous le montrerai pour le prochain épisode. Plus un petite surprise. Si je... Waouh. Ça, j'aime pas trop. Ouais. Ah! Non mais t'es sérieux, j'ai peur de ça. Bref. Donc on va explorer cette petite... J'ai pris de l'eau moi quand même. Putain, j'avais pas pris. Regardez, j'ai aussi prévu pour ça, pour le prochain épisode. Donc, tout est... Conditions in this gate support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere between 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah, par contre, absolument esquiver ça parce que le problème c'est que. Comment dire, elle vous empoisonne. Ouh! Appareil. Bah, on a de l'eau gratuite. Ouais, pardon, le micro, j'avais mis comme un con. J'ai dit qu'on a de l'eau gratuite, ça c'est extrêmement bien. Ça, on n'approche pas, on se fait empoisonner, sinon, voilà, on explore bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il n'y a que dalle. Passe. J'aime pas le bruit. Qu'est-ce que j'ai appris? Un truc que je connaissais. L'idouble, je connais. Ah, voilà! C'est ce que je parle, c'est. J'ai pris cher. Ouais, j'aimerais bien passer. Voilà. Laisse Simone tranquille! Je vais être obligé de la mettre là. Ouh! Ah, c'est le chargeur rapide. Tu vas me laisser Simone tranquille. Hein? Laisse mon Simone tranquille. Y'a pas une autre entrée plus vite donc. Ah, y'a un PDA par contre. On va le chercher vite fait. Non. Voilà. Hop, le petit dernier PDA. On descend. Aïe. Ah, notre PDA, j'avais pas vu. Et on va lire tout ça maintenant. Je pensais que devenir glaustrophobie, vivre sous l'eau, nanana, ok. Dans des rôdeurs, c'est ce qu'on avait utilisé. Donner des aliens. Ta bête violette, ça permet d'ouvrir les portes, donc ça on sait. Je te vois, toi! 26-79. Ouais, mais ça on l'avait déjà utilisé, je crois. Je te vois et tout. Bref! Du coup, vous savez quoi? On va se laisser là, moins qu'on a autre chose à voir, je pense pas tout de suite. Transport des restes. Ouais, bon, bref, ça on verra plus tard. Du coup, si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, pouce rouge, un commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour voir la base, le prône et le cyclope. Et d'ici là, portez-vous bien. Non, toi, tu restes là-bas. Tu restes bien, bien tranquille là-bas. D'accord ?